facilement repérer wellness. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même connaître un peu. On y pense. Enfin, c'est vraiment que quand on voit le panneau qu'on y pense. Oui. Et puis, alors, pour les personnes en mobilité réduite, enfin, en tout cas, pour venir depuis le bus à pied, c'est pas, il n'y a pas des trottoirs de fou pour y arriver. Non, c'est pas. Enfin, il y a du trottoir, il y a. On va dire que la structure a fait ce qu'il faut, comme vous dites, pour les personnes à mobilité réduite, puisque tout est fait dans les limites de 1m50, etc. Les ascenseurs aussi, dans la structure. Oui, mais je pense que c'est entre la route et le centre. Oui. C'est là-dessus, c'est vrai que c'est vraiment ce que je disais, c'est un des points négatifs. En plus de la communication, puisqu'elle travaille beaucoup sur elle-même, la communication externe, on n'en voit pas. On va peut-être plus le mettre en avant dans votre, dans les inconvénients, et en disant bien que dans l'emplacement, il y a quand même du pour et du contre, voilà, dès le début.